Allô tout le monde, voici Champion MMCL, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une nouvelle série. Et oui, une autre nouvelle série, mais cette série-là, c'est différent parce que c'est une série que je sais pas si vous attendiez, mais que vous avez aimé quand même. C'est le retour de la série Upcurve, mais cette fois-ci, la saison 2. Oui, parce qu'on se souvient... Je peux vous dire, j'ai jamais supprimé une vidéo, ma série Upcard. Il est toujours là. Et nous allons créer un nouveau Upcard 2. Upcard 2 juste pour saison 2. En mode Upcard, bien évidemment. Plus d'options, ouais, correct. Juste avant de commencer, une petite information avant de commencer. Si vous avez des questions, peu importe lesquelles, je vous invite à aller à m'écrire les questions dans les commentaires pour une future vidéo. Et je les prends toutes en considération. Je ne répondrai pas tout de suite à vos commentaires. Et je vais tout simplement répondre à vos commentaires en vidéo. Ouais, vous avez quand même un an de ça, et ça passe vite le temps, c'est pas croyable. Ça fait déjà pratiquement un an que j'ai fait la vidéo, je réponds à une question. C'est incroyable. Mais, comme le tutoriel il fait, moi jusqu'à date c'est 11 heures aux années. Durant le temps durant les vacances d'été. Puis nous allons commencer. Nouveau monde. Bon, nous sommes dans une forêt, en haut d'un arbre, proche d'un océan, un biome champignon. Oh, je suis dans un biome champignon. Ce serait intéressant de d'y rester un tout petit peu, prendre la nourriture ici, si je ne me trompe pas. C'est exactement la bonne place. On va prendre le champignon, on va faire la soupe aux champignons déjà. Ah, ça commence bien. Hein. Je suis désolé si vous entendez un bruit tout le long. Je vais essayer de camoufler ça avec peut-être la musique. La raison est telle que. Aujourd'hui, nous sommes samedi le 30. Nous sommes samedi le 30 juin. Alors que je tourne. Il fait chaud. Alors que vous voyez ça, c'est en fait mercredi. Et ouais, parce que je vais essayer tous les mercredis. Ça peut être décalé d'une journée là. Faut vous dire. À tous les mercredis, il va y avoir une nouvelle vidéo. Je dis bien tous les mercredis. Puis cette vidéo, que sera-t-il? Ce sera peu importe la vidéo. Par contre, vu que tous les mercredis, il va y avoir une vidéo. Aujourd'hui, c'est Minecraft. À chaque deux semaines, il va y avoir... Une vidéo Minecraft. Mais le Upcard, c'est la première et la dernière pour du moins l'été. Parce que ceci, j'ai décidé de commencer avec en force avec la série Upcard. Mais je ne continuerai pas en Upcard. Ouais, je vais continuer avec la série de l'été. Est-ce que vous vous souvenez c'est quoi la série de l'été? Si vous vous souvenez plus, je vais vous dire. La série de l'été, c'est bien sûr. Comment bien commencer à Minecraft. Si je me trompe du titre, bien évidemment. Qui est la série de l'été. J'avais dit que ça serait uniquement pour l'été. Puis je vais le continuer. À nouveau la série, cette série. Sachez que la série de l'été, si vous ne connaissez pas cette série, comme bien commencé Minecraft, je vous montre
comment les bases de Minecraft en règle générale, c'est les bases. J'essaie de vous montrer une nouvelle chose à chaque vidéo. Pour l'instant ça va, mais plus que ça va avancer, plus que je vais être accourdi. J'ai aussi des informations pour certaines séries que je ne dérange pas de vous annoncer ceci. Je comprends le fait que j'ai pas de... que j'ai désactivé mon internet. Ça se peut. Mais Alex, on va aller dans le désert par contre pour essayer de trouver un temple. Si il y en a un temple, tant mieux. Et ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais dormir dans le temple. Il y a un puits qui est juste là. Un champignon. C'est parfait. On va même aller chercher le champignon qui est juste là. Parce que c'est l'autre sorte de champignon. Vu que j'ai 18 du rouge, mais celle-là, j'en ai pas beaucoup de celui-là. Je vais en profiter. Et donc, comme je disais, information importante sur certaines séries. Bon, merci. Merci. Sachez que il va y avoir de nouvelles séries qui vont embarquer à partir de cet été, à partir même d'aujourd'hui. Alors, c'est une nouvelle série qui va jouer à partir d'aujourd'hui. On s'entend. Mais il y a d'autres séries qui vont avoir le jour à partir de cet été. Entre autres, une série qui va avoir le jour. C'est une série que j'ai beaucoup. Que, bon, pas beaucoup. Que je vous en parle de temps en temps. Puis c'est le jeu qui coûte cher, tout ça, que je vous ai jamais dit non, je ne savais même pas c'est quoi. Mais c'est une série que je veux faire durant l'été. Jusqu'à date, c'est prévu pour la fin juillet. Mais ça se peut que ce soit retardé. Raison que je vais vous expliquer au courant de cette vidéo. Ce jeu que je vous parle, je l'ai déjà en ma possession. Mais j'attends un affaire en particulier, mais qui va prendre plus de temps que prévu, probablement. Moi, j'espère pas que ça va prendre trop de temps. Puis, en plus de ça, j'ai. Il va y avoir la série Essai de jeu, qui va y avoir au mois d'août. Ça se fait que je décale. D'accord. Hey, tu sais, encore là, la dernière série, là, je prenais des choses bizarres. Voici une affaire bizarre. Un cactus dans un puits. Ouais. Je vais prendre une photo. Et voilà. Pour vrai, j'ai pas pris de photo là. Vous allez voir dans la miniature. Sachez qu'il faudrait que je cherche une miniature quelque part dans chaque vidéo, comme avec la série Accord, l'autre série. Il va y avoir à peu près le même prix. Donc comme je vous dis, les essais de jeu, il va y en avoir, inquiétez-vous pas pour ça, il va y en avoir des essais de jeu. Mais il y en aura pas en septembre. Ça je vous dis tout de suite. Il y en aura pas en septembre de essai de jeu, puis je suis à côté d'un marais. C'est parfait. Je chale pas du tout pour le marais. Je suis bien content, au contraire. Bien content qu'il y ait un marais. Bon, nous allons faire ceci. Et seul. Bien sûr, ceci, c'est pas. Ouais, mais bien de la terre. Mais pourquoi je ne ferai pas d'autres essais de jeu? Tout simplement parce que vu qu'il y aura 12 essais de jeu en un mois, c'est sûr que je pourrais pas faire comme si ça serait
l'équivalent de les deux de l'un de juillet puis un de août. Mais je ne ferai pas ça. De toute façon, je vais être en manque de jeu à un moment donné. Déjà. Ouais, quand c'est quelque chose quand même. Mais vraiment, j'attends quelque chose en particulier pour faire certaines séries. Même les essais de jeu, j'espère de les faire convenablement. Il faut pas oublier que nous sommes Upcard. C'est la série à laquelle, que, si je meurs, la série, malheureusement, elle est terminée. Vous savez, je vous ai parlé de League, hein? La vidéo de Battletech. Quand même. Vous vous souvenez? J'ai parlé de League. Sachez qu'en ce moment, c'est une pratique de League. J'y étais, je suis dernier jeudi. Est-ce que je vais retourner? C'est tout jeudi pour l'instant, de 8 à minuit. Une pratique de League. Et que j'ai tellement bien fait de creuser à côté. Quand je trouvais mon endroit final. On va essayer pour démarrer. Comme ça, je vais pouvoir faire de la redstone à volonté. Ouais, ça va être la fin. J'aurais pas aller dans des autres trous de promener pour ça. Ça va être le fun et pas à peu près. J'ai aussi quelques projets pour que je vais faire cet été. Je vous en parle pas parce que vous mettez au courant de toute façon en temps et lieu. Mais j'ai quelques projets que je vais faire. Tu sais, il y a deux vidéos que j'ai prévu de faire. Un avec mon père. Puis un avec des invités. Ouais. Ça va être une vidéo avec mon père et une vidéo avec des invités. Pourquoi mon père? Parce que c'est lui qui a eu l'idée, puis il me... pour une vidéo, puis il veut... lui, c'est lui qui a eu l'idée, il a voulu... Il veut être absolument dans la vidéo. Pourquoi pas? J'ai aucun inconvénient pour cela. Mais pas la moindre inconvénient. Mais ça, il y a deux vidéos que je vais faire, peut-être même trois. Parce que mon père a eu une idée de quelque chose. Je ne sais pas plus que vous. Je ne sais pas plus que vous. Je sais même pas qu'est-ce qu'il y a comme... J'ai envie de savoir c'est quoi son idée. Ouais. Je suis curieux de savoir. En connaissant mon père... je m'inquiète, mais j'ai hâte de savoir quand même. Je vais parler d'un sujet comme ça. Vous savez, les parents. Les parents, c'est... Chaque parent est différent. On s'entend. Moi, j'ai la chance. Parce que c'est sûr qu'il y en a qui ont pas la chance. Moi, j'ai la chance. Peu importe qu'est-ce que je veux faire. Comme projet ou carrière, tout ça. J'ai la chance que mes parents me soutiennent. Ça, je suis bien content d'avoir cette chance là que mes parents me soutiennent peu importe ce que je veux faire. Mais il y en a d'autres parents par contre qui se soutiennent pas nécessairement, qui se soit qui s'en foutent ou encore qui forcent la personne à faire quelque chose dont ils n'aiment pas nécessairement. Malheureusement, c'est un fait. Vous confirmerez si vous voulez, mais c'est des films et tout ça, des émissions. Il y a aussi des fois une part de vérité. Exemple, toi plus tard là, tu vas être un médecin. Ouais. Toi plus tard, tu vas être un tout dans le temps là, l'aîné. Toi plus tard là, toi tu vas pas faire ce que tu veux. Toi là, tu vas être un prêtre. Tu vas être le prêtre de la famille. C'est toi qui vas tout hériter de ou bien. Ouais. Parce que ça fonctionnait de même, c'est au Québec. Mais dans le temps de nos grands-parents. L'aîné de la famille devait... dépêcher.
devait absolument être un prêtre. Ouais. Parce que c'est comme ça, c'était la culture. C'est ça, la religion catholique, plutôt la mentalité d'autrefois. Bien sûr, la mentalité a changé depuis. Mais la mentalité dans le temps, c'était ça. Fallait être un... L'aîné devait être prêtre. Ils avaient pas le choix. Mais faire quelque chose que vous aimez, c'est très important. Puis ça, même quelque chose que vous aimez, là, ça vous motive encore plus. Ça vous donne plus envie d'aller, exemple, si vous travaillez, là, ça vous donne plus envie d'aller à, de faire votre emploi parce que vous aimez ça, parce que vous faites votre passion. Ah, tu... Hey. Merci. Si je peux vous donner ce conseil, faites ce que vous aimez. N'écoutez pas les autres. Même que... Ne pas suivre vos amis. Vous pouvez, bien sûr, suivre vos amis d'une certaine façon. Ouais, le dupe, une de... C'est un œuf ou c'est l'avion? Ah non, c'est l'avion. Tu vois, là, qui est que Christian, lui. Exemple, vos amis vont dans telle école, mais vous voulez aller dans une autre école pour. Parce que c'est comme ça. Allez dans notre école. De toute façon, on peut toujours parler, aller voir vos amis, tout ça. Y'a rien qui vous empêche de cela. Mais allez, faites votre vie et faites ce que vous aimez. Comme ça, c'est sûr et certain que vous ne serez pas malheureux. Oh, il y a la peine. Les autres sont tous seuls à tuer. Malheureusement. Lui a été plus facile par contre. Au moins qu'on fasse un peu l'intelligence artificielle dès la fin. Par contre, moi je suis juste plus gros. Je ne suis pas les petits. Même les lapins en général, ça me tombe des fois même pour des tués. Ah, j'ai une patte de lapin. Ah, c'est un petit. Et toi, je te laisse vivant. Non! Il faut deux fois que je pense que... Vraiment, le soleil, là, ça... Ça réduit le psyché. Ça me fait trop de reflets, puis on peut prendre... On dirait que c'est une affaire, mais finalement, je ne l'ai pas. Je pensais vraiment que c'est une patte de lapin, là. Bon, ça aurait été bien. De toute façon, c'est juste pour une potion de saut. Le désert est vraiment petit, puis il n'y a pas de... Mais là, en ce moment, je suis en mode... cherchons un... Ah, si j'ai envie... Les zombies du désert, c'est vrai, les autres meurent. Ils ont brûlé pour. Faut qu'ils nous touchent parce qu'ils nous... Ils nous empoisonnent. Voilà qui m'empoisonne. Il m'empoisonne. Je sais plus ce qui est arrivé. Le remède pour contrer ceci, c'est bien et bien du lait. Eh ouais. Le lait. C'est efficace. Dommage que 75% de la population mondiale sont intolérants au lactose. Tellement dommage. Parce que c'est tellement bon de voulez. Quand je dis 75%, c'est des vrais chiffres. Ce n'est pas des faux chiffres, des fausses données. Parce que c'est 75% de la population mondiale. Parce que beaucoup de monde sont pas allergiques, mais intolérants au lactose. C'est dommage quand même. Ah, les vaches, en parlant de lait. Ouais, j'ai une bonne idée. Ouais, et je viens d'avoir une bonne idée. Là, il n'a pas de temple du désert parce que tout
petit désert, même si c'est un petit désert pour en avoir, mais dans ce cas-ci, il n'y en a pas. Bon, je vais tuer ces vaches. Ok, tant qu'on en avoir plein de même, je suis bien d'en profiter. De toute façon, nous sommes à Upcard. L'erreur n'est pas permise, ou du moins très peu permise. Par contre, je suis pas comme Steelers avec son mod. Qui est encore plus Upcard. Ouais. Beaucoup plus Upcard. Lui, c'est pas juste Upcard, c'est ultra Upcard. Et. Oh, critique. Voilà. Ah, y'en a des vaches. Je vais essayer de nourrir ça. Deux coups. Ah, il est bon, je suis efficace. J'ai cru voir un creeper. Voilà! Il reste encore des vaches, parce que je n'avais entendu. Ouais, déjà me faire peut-être une armure. En cuir, déjà! Sachez que j'aime bien vraiment pas d'armure en cuir. Je vous pensez directement en fer. En diamant, c'est long avant que je me fasse une armure en diamant. Bon, on fait jamais. Je suis avec d'autres personnes, c'est les trucs qui me font. Parce que je connais quelques mineurs. Je parle pas de mineurs jeunes. Je parle des mineurs qui minent. Qui aiment miner tout simplement. Mon idée! Et que je vais me faire une maison en terre. Ouais. Ou peut-être ça serait une bonne idée. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est une bonne idée. Dans le marais en tant que tel. Ah, ça va être fun. Je vais me trouver un endroit. Puis c'est là que je vais faire ma maison. Dans le marais. Ah, petite chute. Ce serait une bonne idée. Ouais. Comme ça, je vais être déjà dans le marais. Premièrement. Je prendrai un navire. Une chaloupe. Okay, je voyais quelque chose au loin. Je me disais, j'ai un village dans le marais. Mais c'est vrai, ça serait fun qu'il y ait un village du marais. Je sais qu'il peut y avoir des huttes. Des huttes de sorcières. Est-ce qu'il y a des villages du marais? Je ne crois pas. Ce serait bien ça. Là, il va faire nuit. Là, ça va commencer à être dangereux. En plus, je vois absolument rien. Imagine quand je vois safety. C'est tout pire. Moi, que je vais mettre monter ma luminosité. Et voilà. Maintenant, nous allons s'établir un tout petit peu ici sur cet arbre. Pourquoi pas commencer la maison ici tout simplement. Pour l'instant, je ne fais pas la base parce qu'il me faut quand même du bois. Oui, du bois, péniblement, mais on va faire. J'en ai eu. Ah non, il m'en manque un. Bon, je vais me faire un four tout de suite quand même. Là. Je vais me faire une petite protection anti-squelette. Avec ceci. Quand même, c'est des squelettes.
puis les squelettes, on sait très bien que ça peut que ce sont des snipers. Il faut pas prendre ceci à la légère. Malgré que je suis quand même assez en hauteur, je pense pas qu'il y a de problème. Bien sûr, les zombies. Et de. Est arrivé. Ah oui, est-ce que lui est là? Ouais, il y a Liliane. Mais je suis quand même correct. En règle générale, c'est pas un problème. Hein. Je pense que je courrais tout court. Au pire, il va monter les Lilianes, puis moi je vais les envoyer en bas. Tout simplement, hein. Je suis bien protégé quand même. Bon, ça va être déjà tout pour aujourd'hui. C'est sûr que nous avons pas fait grand chose. Mais faut bien commencer à quelque part. Ici, je veux me construire une maison. Sur cette île, en hauteur, ou que les marais, ou que le slime. Comme ça, le slime me coûtera pas cher. Au moins. En fait, la bonne nouvelle, c'est que le slime ne me coûtera pas cher. C'est sûr que ça coûte pas cher, des fois, le slime. Mais c'est le marais qu'il faut trouver, ce qui fait que s'il faut aller à l'eau du monde, là, on peut dire que ça coûte cher. S'il faut aller à l'eau du monde. Mais là, le slime ne coûte pas cher. Et juste à côté. Faut juste attendre la nuit pour obtenir du slime. Ah, pour ça! J'espère que vous avez bien aimé cette première vidéo de la du retour de la série pour une nouvelle saison de Hapcord, la saison 2. Comme je vous ai mentionné au début de la vidéo, la map de la saison 1, je ne l'ai pas supprimée. Alors pour ça, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez toujours me suivre sur Facebook, Twitter ou encore visiter mon site internet dont le lien est sur la bannière de ma chaîne YouTube. Vous pouvez toujours aussi aller sur mon serveur Discord dont tout le monde est le bienvenu. Alors pour ça, je vous dis bonne journée, bonne soirée. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Hapcord. Saison 2. Alors pour ça, je vous dis merci à tous.